Yep, tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V. Donc là, je vais vous présenter mes garages. Donc j'en ai que deux. On va commencer par le plus rempli avec les voitures les plus chères et puis celles que je me sers le plus souvent. Le deuxième, il doit avoir 7... ouais, 6-7 voitures. C'est des voitures que je me sers pas, ou très peu, ou que je prends pour faire le coin avec des potes. Donc on va commencer. C'est parti. Donc là, j'ai le Dubsta 6x6 qu'on débloque au niveau 100. Voilà. Là, j'ai le Vapid Gardien. Voilà, le Vapid Gardien, il me semble que c'est. Ouais. Vapid Gardien qu'on débloque. Je crois que c'est avec les missions de braquage. Donc là, on a la NTNXF que tout le monde connaît, je pense. La Kuruma blindée qu'on débloque aussi avec le braquage. La Osiris. La Zentorno. La Turismo R. La Coquette. En moto, nous avons la Trust. Et là, à coup de chou. Donc voilà, moi c'est pour le premier garage, c'est fini. Donc là, on va aller passer directement au deuxième garage. Donc cette vidéo-là va pas durer très très longtemps, parce que j'ai que deux garages et puis que ça va vite à faire le tour du garage. C'est juste pour faire un petit aperçu de mes garages un peu, voilà, vite fait. Le deuxième n'est pas très loin, il est juste à côté. Je me garer là pour pas que la coup de chou puisse rentrer dans le garage. Voilà. Donc là, on va passer au deuxième garage. Donc, comme vous voyez, là, les emplacements sont vides. Sur le côté, je n'ai rien. Là, j'ai le corbillard. Bon, il y a juste l'emblème du crew. Et puis une couleur. Mais c'est tout, il n'est pas tuné plus que ça. Si je me trompe pas, celle-là c'est la Akuma. Ah non, non, celle-là c'est la Vader, pardon. Donc ça c'est la moto, la Vader. Voilà. La voiture Fletzer. La Dominator. Que si vous avez regardé toutes mes vidéos, un pote a exactement la même et celle-là on les garde pour faire les cons. Quand on fait des drifts ou juste pour s'amuser comme ça. Et si vous regardez toutes mes vidéos, on a fait une vidéo délire avec les voitures. Que ça finit en moto parce que les voitures ont fini dans l'eau. La Akuma. C'est d'ailleurs avec cette moto-là que je finis l'épisode. Que je parlais avec la Dominator, voilà. La Bati 801 RR. Voilà. Non, mais pas le casque, on s'en fout. La Sanchez Motocross, c'est la Sanchez 2, parce que la Sanchez 1 où c'est juste des motifs. Moi j'ai la 2 pour mettre les couleurs. Alors, au départ j'avais mis que bleu pour faire un peu Motocross Yamaha. Puis après j'ai remis un peu de vert finalement. Donc voilà. Et là, Elegy, qu'on débloque avec. Bon, on débloque en rentrant dans un crew que j'ai tuné. Bon, je m'en sers plus, mais voilà. Voilà pour mes petits garages. Donc là, on va faire un petit tour vite fait avec la Elegy, histoire de dire. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai quelques motos quand même. J'aime bien les motos, c'est moi je dis que c'est pratique et tout. Donc voilà.
La plupart de mes. J'ai deux 4x4 parce qu'ils sont bien ceux-là. J'ai pas mal de motos. La plupart de mes voitures, c'est toutes deux places. Il n'y a que la Kuruma qui est 4. Le corbillard, je sais pas combien qu'on peut monter dedans exactement. Mais sinon, ouais, c'est toutes mes voitures, c'est deux places, sauf la Kuruma blindée en fait. Et puis les 4x4 qu'on peut monter à 6 dedans. Donc voilà, une petite vidéo tranquille, juste pour. Oui, d'accord. Ah ouais. D'accord. Ouais, fais ça, ouais. Pourquoi pas. Donc il doit avoir un modeur dans la partie, moi je dis ça, je dis rien. On va se mettre en mode passif, faut pas qu'il nous tue tranquille. Et puis bon, on va arrêter la vidéo là de toute façon. Vu que je vous ai montré mes garages vite fait. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss.